surprise, c'était d'aller dîner sur un catamaran. Je suis contente. Oui, Pauline, elle allait me faire nager encore. Thank you, ma chérie. And so, as their adventure drew to a close, a tranquil haven, an oasis of serenity, the idyllic shores of Zanzibar, beckoned. Akin to predators lurking at the waterholes for prey, the prospect of basking in the warmth of the African sun on pristine ivory-white sands and turquoise waters of the Indian Ocean was to kill for. Here, in this paradise, the essence of their journey coalesced. Luna and her partner reveled in the pure yet simple joy of being present, of each other's company, and of the bonds forged through shared exploration, their footsteps leaving imprints upon the sands of time, surrendering their toes to the ocean and the tender caress of the trade winds. Their bucket list worthy expedition, filled with raw, primal energy and childlike wonder, was an unforgettable pilgrimage of the senses. Each safari encounter emphasizes the interconnectedness of the ecosystem and the coexistence of humans, predators, and prey in the hierarchy of the food chain. Nous sommes à Stone Town, on est arrivé du coup sur l'île de Zanzibar hier. On a quelques jours à Stone Town avant de prendre la route pour la... Mais on est à l'est. Non, à l'est. Je peux. Donc nous allons aller de l'autre côté de l'île parce qu'on est venu à Zanzibar pour une activité très spécifique qu'on vous révélera un peu plus tard. Mais bon bref, en ce moment, aujourd'hui, on profite de Stone Town, on visite un petit peu. C'est extrêmement mignon, c'est tout petit. Une grosse surprise, on s'attendait pas du tout à ce que la ville ressemble à ça. Donc petite balade en ville, rafraîchissement, jeu de société. On est en opération détente et repos après le rythme intensif qu'ont été les safaris. C'est bon, on vient de rejoindre notre logement, du coup le dernier logement de ce séjour. On est un peu plus au nord de Stone Town, toujours sur l'île de Zanzibar, bien sûr, on est venu en voiture. On a loué une petite maison avec une vue incroyable. Je vous fais un petit tour vite fait, comme ça vous avez un peu une idée de où est-ce qu'on va loger. Tout ce qu'il y a de plus simple, du coup, petit coin cuisine, coin salon, télé, parfait. On est quatre pendant ce voyage, donc on a chacun une chambre. Première chambre ici, deuxième chambre là-bas et deux salles de bain. Et surtout, la raison principale de pourquoi on a choisi cet appartement, quand on sort, petite terrasse, plein de transats, incroyable. Et surtout, vue sur mer et direct accès sur la plage. On a un petit escalier qui descend et du coup, bah, cette plage absolument parfaite et paradisiaque. Je suis trop contente d'être là, c'est magnifique. J'espère qu'on aura un peu de soleil et que les températures vont remonter, c'est un petit peu venteux. Lieu absolument splendide, des plages de sable blanc partout. On va être vraiment bien ici.
Je me rends compte que je vous ai pas encore dit pourquoi nous sommes venus à Zanzibar. La raison du coup de ce voyage est que nous passons notre deuxième niveau du PADI. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog, l'année dernière au Mexique, on avait passé notre Open Water Diver Certification, donc le niveau 1 du PADI. Deuxième année, on passe le niveau 2, c'est-à-dire l'Advanced Open Water, c'est-à-dire 5 dives, toutes des spécialités, certaines sont obligatoires, certaines sont libres de choix, on choisit nos modules. Quelle chance on a de pouvoir passer notre PADI dans un lieu pareil. On essaye du coup de vous filmer avec les GoPro quelques extraits de notre expérience PADI, mais bon, on est quand même plus focus sur les cours, sur l'expérience, sur apprendre plein de nouvelles choses. On n'est pas du tout focus sur les images. On vous montre ça et je vous trouve ça après. C'est bon, j'ai investi. T-shirt supplémentaire sous la combi 7 mm. Aujourd'hui, on fait du deep dive. On va descendre à 30 mètres et quelques. Les précautions sont prises. Après une bonne douche, vous avez vu les images de la plongée, on finit dans des états désastreux, mes cheveux, je vais devoir tous les couper en rentrant. Bref, je suis officiellement un Advanced Open Water Diver, c'est pas du tout dans cet ordre là, Certified Advanced Diver. Donc maintenant j'ai mon niveau 2 de PADI, je peux plonger à 30 mètres, je suis trop contente. Qu'est-ce que tu fais? Je pars à mon vlog. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Nous partons, je ne sais pas où, faire je ne sais pas quoi. Vous le savez déjà, ce voyage c'est pas moi qui suis responsable de l'organisation et du coup maintenant, activité surprise de Pauline. J'avais prévu de vous introduire la prochaine activité parce que je le fais par réflexe mais je sais absolument pas quoi vous dire, parce que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Dans mes consignes, j'avais de me porter un maillot de bain, donc le maillot de bain est là. Il est 15h30 donc je sais pas trop ce qui nous attend mais ça a l'air cool, alors c'est parti. Bon du coup vous l'avez deviné aux images, l'activité surprise de Pauline était un dîner croisière, coucher du soleil, rien que ça, 10 sur 10 pour l'activité. Maintenant on va dîner, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve le mois prochain, 1er mars pour le prochain épisode.